Non, 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 si non, c'est non, pas... non, 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 monsieur le rapporteur, je ne peux pas vous laisser dire ça. Ben non, je... non, 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 non. Ça, donnez... vous voyez, ça, c'est une accusation à charge. Non, non. Donc vous donnez... non, non, je vous permets pas. Je, vous demande... je ne vous permets pas. Non, non, mais non, je non. vous demande juste. Je ne vous permets pas. Je vous suis... demande de... juste. Non, 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 attention. De préciser. Non, 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 je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous voulez dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique. Il n'y a aucune posture. Votre déclaration. Non, 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 je vous retirez tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Madame Schiappa, c'est clair. Rien de comparable. Je ne retire rien de la même manière que j'ai fait observer hier à Madame la Ministre sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration. Non mais, pardonnez-moi, ce que vous dites est ridicule. Si vous voulez, si est ridicule, vous voulez, parce qu'il y a des insinuations si derrière. Vous voulez, y a on se aucune, serait concerté. Il n'y a aucune. Mais non, pas c'est du ce tout, que vous êtes en train de dire. Pas du tout. Mais non, mais. Alors, pour le coup, n'interprétez pas. Voilà. Non, non, j'interprète. Vous interprétez des choses non, qui restez, sont totalement fausses. Non, je suis dans aucune formule, posture, monsieur. Je vous réponds je formule, avec sincérité. Et avec honnêteté et transparence. Eh bien, donc arrêtez de me lancer à la figure des choses comme ça. Je ne vous lance rien à la figure. J'ai le droit de formuler, de reformuler comme j'ai fait tout à l'heure pour être sûr d'avoir bien compris. Donc... Les rencontres avec Madame Schiappa... Désolé, parce que au-delà de la chose et de sa gravité... je suis quelqu'un d'assez jovial, donc quand des choses me font rire, je ris. Et désolé de rire parce que j'ai dit tout à l'heure, elle sera d'autant, elle sera pas, elle n'est pas mon amie, elle n'a pas été, elle n'est pas aujourd'hui, et elle sera encore moins demain. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Je ne devais pas le dire. Je dis ça parce que je n'aime pas les gens qui n'ont pas de courage. Je ne respecte pas les gens qui n'ont pas de courage. Je vous l'ai dit, Madame Schiappa est innocente, mais je l'ai dit dès le départ, son attitude est curieuse. Elle a une attitude de quelqu'un qui est coupable. Mais elle est coupable de rien, et je le redis devant vous. Et je lui redis ce à n'est travers... Pas, ce n'est pas le sujet, d'ailleurs, non, mais... nous ne parlons pas de culpabilité. Elle a, donc, elle a une attitude de coupable, c'est moi qui le dis. Elle a son attitude, si j'étais un observateur extérieur de cette affaire, je dis, tiens, Madame Schiappa a quelque chose à se reprocher. Et c'est bizarre, elle n'a rien à se reprocher. Écoutez, c'est pas à vous de le dire. Moi, je vous donne mon sentiment et les éléments que j'ai. De votre point de vue, voilà. Mais revenons au fait, vous dites, et par Madame Schiappa. Donc, vous avez été encouragé par Madame Schiappa. C'est ce que vous avez dit. Tout à fait. Je vous le Est-ce que vous le confirmez ou pas? Et qu'est-ce, comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit par des rencontres. Alors, effectivement, enfin... Des rencontres. Des rencontres, enfin, de réunions avec son cabinet. Oui. Et je vais citer deux rencontres, notamment, oui. où, à l'issue de réunions qui portent sur le projet que j'ai proposé, d'abord que j'ai Donc, proposé... Donc, un peu plus tard, oui. D'accord. Quand un ministre sort pour vous saluer... Et pour vous dire, je compte sur vous, bah, ils refusent. Non, ils n'ont pas refusé. Non, non, pas ils ont choisi la seule qu'ils ne connaissaient pas. D'une certaine façon, c'est pour ça que je me sens trahi aujourd'hui. Je me sens trahi par les mensonges, je me sens trahi par les approximations et je me sens trahi par la politique de l'amnésie qui est menée dans ce dossier. Encore une fois, je rappelle, je n'ai pas sollicité de subvention. On m'a sollicité. Tout ça est clair. Je rappelle que l'association, j'ai cité plusieurs associations... Je les ai laissés choisir l'association pour les amener dans une logique de coopération. On est censé être, permettez-moi l'expression, dans un même bateau. Donc on est en confiance. Avec qui souhaitez-vous que je travaille, que je mette en application ce projet? Je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Non, un tel, celui-là. Non, ah, et c'est quoi ça? Ça, c'est... Voilà. Et ça s'est passé comme ça. Ça ne s'est pas passé autrement, ça s'est passé comme ça. Tout autre récit est mensonger, je le dis. Que celui-ci est mensonger. Y en a-t-il d'autres? Non, la question qui était posée, c'est pourquoi cette association? Ben, vous nous donnez la réponse, voilà. Je et pense pourquoi, que, de bonne et... foi, mais il ne faut pas voir du mal partout, pardon. Mais hein, que, mais, je veux dire, mais, non, mais pas attendez, vous, pas vous, pas vous, pas vous. Voilà, pas vous. On est... Non, non, pas vous, monsieur on essaie de décrire des faits. Alors, les J'ai faits, accepté non, mais attendez, que ce mais soit si fa, retransmis oui. en direct. Vous savez que les gens qui regardent n'ont pas tous votre intelligence, pardon. C'est pas, il ne faut pas que les gens voient du mal partout. C'est plus de la connaissance. Pardon. Oui. C'est plus de la connaissance. Oui, voilà. Non, mais donc, dans ce cas précis, donc, voilà. Restons sur les ce faits, qui les pas intéresse sur les polémiques. À ce moment-là, monsieur restons le président, c'est la reconnaissance d'utilité publique. Voilà. C'est ce qui les intéresse, c'est quand ils ont bloqué sur la reconnaissance d'utilité. Pourquoi? Je ne fais pas de raccourci. Vous ne faites un raccourci malheureux, je vous le dis. Vous faites un raccourci malheureux. Vous me comparez à Madame Schiappa. Je n'ai absolument c'est rien absolument à comparer pas ce que j'ai à Madame Schiappa, ni sur le fond, ni sur la forme. C'est clair? Alors d'abord, vous n'avez pas ni d'ordre, ni Non, non, je vous demande, d'avis. Est-ce que c'est clair pour vous? Non, non, mais enfin, excusez-moi,
je pense que vous devez garder et vos nerfs et votre maîtrise. Nous essayons de le faire. Je n'aime pas vos provocations et je vous le dis. Je suis quelqu'un, vous savez, je suis quelqu'un d'assez entier. Je respecte les institutions et je respecte les gens qui me respectent. Mais dès le moment où on ne me respecte plus, je vais aller sur un autre ton, je vous le dis tout de suite. Ne déviez pas, nous allons rester, je dirais, sur les faits. Mais... Je préfère. D'ailleurs, l'un de mes interlocuteurs a fait cette boutade volontairement en me disant non, je ferai en sorte à ce que cette région ne finance pas le fonds Marlène. Il n'a pas dit le fonds Marianne, le fonds Marlène. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait une communication tellement personnelle. À la veille, je vous rappelle quand même le contexte, mesdames et messieurs les sénateurs, vous êtes des élus et vous connaissez le cynisme politique mieux que moi et vous l'exercez certainement mieux que moi. Le cynisme politique, monsieur Sifa, oui, non, mais d'accord. Pour le coup, vous devriez retirer ce propos parce qu'il ne faut pas vous retirer ce que vous avez dit. Donc, je vous dis juste ce qui m'a été dit et qui intègre une logique de cynisme politique. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Des régions qui avaient des divergences politiques avec Marlène Schiappa et le camp de Marlène Schiappa n'étaient pas, je dirais, très promptes à soutenir un projet qui est devenu le projet Marlène Schiappa. D'accord. Et des gens de votre camp. Mais monsieur, y a pas, les gens de votre camp politique, entre autres, non mais je vous dis, ce qui est légitime, ce qui est compréhensible, c'est que des gens qui sont candidats à la candidature n'ont pas forcément envie à la veille d'une élection. Si vous voulez bien. Mais pourquoi ça vous gêne? Non, ce n'est pas que ça me gêne, on va rester mais pourquoi ça vous gêne qu'on parle de ça? Vous voulez toute la vérité, non? Rien ne me gêne. Ah bon? Alors, laissez-moi continuer. Non, si vous voulez, je vais poursuivre. D'accord. Parce que nous avons encore un certain nombre de questions. Comme ça, les gens voient que certaines réponses vous gênent, c'est très bien. Non, mais d'abord, vous savez, les Français, ils regardent ceux qui s'y intéressent, ils porteront le jugement qu'ils souhaiteront. Ce qui compte, c'est que la démocratie puisse s'exercer sereinement dans le respect à la fois des débats et des personnes, et surtout du sujet. Bon, dire amen, ne vous apporte rien et n'apporte rien de constructif au débat. D'accord. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez à la fois un 35 heures, qui n'est pas d'ailleurs décrit comme un 35 heures, mais comme une action permanente. Avec l'association et en même temps un contrat de consultant qui porte sur certains aspects particuliers, si je puis dire, formation, etc., avec le CIPDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut avoir la juxtaposition de ces deux contrats? Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale, par passion, par intérêt intellectuel pour la matière. Il y a une époque où je réalisais des reportages et j'écrivais des articles tout en rédigeant mes livres le soir. Donc je suis quelqu'un qui travaille énormément. On vous demande de vous lancer dans un projet, on vous le valide et ensuite on vous dépouille au fur et à mesure de l'avancement. Donc évidemment, la production ne peut pas suivre. Moi, je ne me lancerai jamais dans un projet qui consiste à faire 2, 3, 10 tweets par jour. Ça n'a pas de sens. Et tweeter de façon frénétique, tous les spécialistes vous le diront, ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, si vous voulez, bien sûr que je ne suis pas content du résultat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis satisfait de moi? Je ne suis pas, content de moi. Je regrette profondément et je ne ferai plus jamais confiance aux institutions, qui m'engagerait à aller dans un travail. Je ferai confiance dans des relations comme ça, mais jamais plus je ne suivrai des demandes d'un responsable politique. Jamais plus personne, sauf dans un cadre comme celui-ci où je suis contraint, ne m'auditionnera. Plus jamais je n'échangerai sur mes thématiques avec aucun responsable politique, parce que j'ai perdu confiance totalement dans l'action publique. Où je vois d'ailleurs les lâchetés se manifester par la suite. Il n'y avait pas une volonté de malversation financière. Mais il y a des erreurs successives. Malversation financière, encore une fois, ce n'est pas ici. Je le dis, juste pour éclairer. Il n'y en a pas eu de la part de personne, bien sûr de moi-même, mais je m'engage, y compris pour les autres. Voilà. Il n'y en a pas eu. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à Madame Schiappa, aux équipes de Madame Schiappa, et d'avoir...